Si tu t'en vas sur la mer, c'était la Chavanée. À présent, abordons le chapitre Dictons et tirades des anciens de la voile. Qui voit Penmar, tout est hasard. Qui voit le rat, sauf qui pourra. Ce dicton nous avertit brutalement que ces parages de l'extrémité de la presqu'île de Bretagne ne sont pas de tout repos. Mais nous apprenons aussi qu'il fait doux naviguer sur certaines latitudes privilégiées. Entre Sainte-Hélène et l'Ascension, la plus belle navigation. Ou encore, Alizée de Nordée, plus beau vent de la carte, leur donne son regret, celui qui s'en écarte. Mais aussi, entre le 9 et le 10, le mort et le vif. Celui-ci nous rappelle que le jour de morte eau est le 9e de la lune et que les vives eaux commencent le 10e jour, rapportant en augmentation de marée jusqu'au 17e. Enfin, par ce quatrain libre et sans rime, si brusque haleine d'air te glace jusqu'aux tripes, ces gros glaçons au vent qui passent à la dérive. Nous savons que dans les dangereuses régions des glaces flottantes, la présence d'un iceberg au vent nous sera révélée, malgré la brume ou la nuit, par le refroidissement intense et soudain de la brise. Ces proverbes et ceux relatifs à la prévision du temps, joints aux relations les moins fantaisistes, émanant des pilotes et capitaines les plus dignes de foi, constituèrent les premières instructions nautiques, modestes et vénérables ancêtres de celles dont les couvertures roses pâles mettaient dans les rayons de nos bibliothèques de bord une note tendre parmi les reliures rébarbatives des tables de logarithmes, des ouvrages de cosmographie, de mathématiques et de droit maritime. Nous étions trois marins de croix. En 1670, une émeute des gens de mer eut lieu à Martigues. Une première levée de 70 hommes eut lieu en mars 1669 pour le service des vaisseaux du roi. Elle avait été accueillie dans le calme, la communauté ayant offert sur ses propres deniers un complément de solde aux marins mobilisés. Les choses changèrent l'année suivante lorsque les classes entrèrent en vigueur. Les contraintes de ce système irritaient les marins. L'administration des classes, par ailleurs, commettait des maladresses dues à son inexpérience. Les officiers de ce corps n'étaient guère aimés des populations. Au début du mois d'août 1670, un incident sans gravité réelle se produisit à Martigues. L'intervention malencontreuse d'un officier des classes, l'enseigne Chassot, lors d'une querelle privée. Le fonctionnaire avait donné quelques coups et prononcé des paroles excessives alors qu'on ne lui demandait rien. Ceci n'avait rien de dramatique, mais contribuait à la mauvaise humeur populaire. Un nouvel incident éclata le 16 août dans la soirée. Les habitants de Martigues avaient fêté la Saint-Roch et le soir venu prenaient le frais devant leur maison. Une certaine animation régnait dans les cabarets de la ville. Les officiers des classes soupaient dans l'auberge où ils avaient pris pension en compagnie de leur commissaire. Vers 20h, des éclats de voix troublèrent le calme du soir. Une querelle avait éclaté sur la place et des hommes se battaient. L'enseigne des classes Chassot, encore lui, voulut intervenir, mais il fut ceinturé par un témoin.
Le commissaire le dégagea et le ramena à l'intérieur de l'auberge. Refusant de s'en tenir là, le fougueux enseigne ressortit un peu fièrement et, voulant mettre la main à l'épée, déclencha une véritable émeute sur place. Les officiers des classes réussirent à se réfugier dans l'auberge, mais plusieurs centaines d'émeutiers menacèrent bientôt d'enfoncer la porte. Ils brandissaient des armes improvisées, perches, bâtons, tridents, et criaient des insultes. L'hôtelier parvint à sortir le commissaire et un officier par l'arrière de son établissement. Chassot préféra rester caché dans l'auberge que les émeutiers commencèrent à fouiller. Un prêtre voulut s'interposer, on le pria de déguerpir. Les notables, accourus sur place, finirent par calmer la foule avec l'aide d'un magistrat qui écouta les mécontents. Quelques acharnés, toutefois, refusaient de se calmer. Ils avaient décidé bruyamment de retrouver le commissaire et les officiers de marine afin, disent-ils, de les tuer. Par bonheur, ils ne les trouvèrent pas. Le lendemain matin, les divers protagonistes de l'émeute étaient bien embarrassés. Le commissaire des classes et les deux officiers avaient quitté Martigues. Les notables durent leur faire savoir qu'ils pourraient revenir dans cette ville, continuer leurs fonctions et enrôlement des matelots, et que tout était apaisé. La vie reprit son cours normal. L'incident semblait clos. Il ne l'était pas tout à fait, car le commissaire des classes crut bon de rédiger un rapport, et ce rapport arriva sur le bureau de Colbert. Le ministre envoya des enquêteurs à Martigues. Ils interrogèrent de nombreux témoins et rédigèrent leurs conclusions. Celles-ci étaient assez éloignées de la vérité. Elles ne faisaient aucune allusion aux provocations des officiers. L'affaire, toutefois, n'entraîna aucune condamnation. Les gens de mer de la région de Martigues avaient mené leur hostilité au système des classes et aux officiers chargés de les mettre en œuvre. Ils conservèrent longtemps cette réputation d'insoumission. L'intendant Arnoul, dans un rapport envoyé à Paris, pouvait écrire « La désobéissance se fait toujours plus grande. La douceur n'y fait rien. De faire plus de violence, ce serait achever d'y mettre le feu. Et je craindrais quelques séditions, puisque déjà ils ont des signaux par lesquels ils s'avertissent sitôt qu'il paraît un commissaire ou quelque autre officier des classes dans la rue. » De la rivière à l'océan, vous venez non pas d'avaler des couleuvres, mais des courants de pensée passés par le bar de passeurs d'histoire, de mémoire et de savoir. Je vous rappelle la référence des ouvrages qui m'ont servi à faire cette émission, le dictionnaire de la marine à voile des capitaines de vaisseau Paris et de Bonnefou. Croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux, d'Annette Pinchedet, Histoire et dictionnaire aux éditions Talendier. Dictons, tirades et chansons des anciens de la voile, c'est un recueil du capitaine au long cours, Armand Hayet, et c'est aux éditions de Noël. Et enfin, Grognes et colères de marins, 5 siècles de mutinerie maritime, c'est de Guy Lemoyne et c'est aux éditions Marine Édition. Quant aux chansons, vous avez entendu « Si tu t'en vas sur la mer », interprété par la Chavanée, et un des grands standards de la chanson de marin, « Les trois marins de Groix », que j'ai eu le plaisir d'interpréter pour vous dans cette émission. La nef à présent appareille en quête de nouvelles merveilles à penser, à dire et à faire passer. Rendez-vous pour une prochaine escale sous bon vent. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends.